Salut à toutes et à tous, ça fait du bien de te rejoindre comme ça pour ce match. Il n'est pas n'importe où, on est à l'Arena Schalke pour vous faire vibrer pendant ce match le duo Da Fonseca, Da Silva, la team Dada au grand complet. Première rencontre de groupe dans cette Euro 2024, l'Espagne face à l'Italie. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants. Dans le but, on retrouve Unai Simon, Grimaldo avec Carvajal dans les couloirs. Pedri sera accompagné de Rodri au milieu. Et enfin en attaque, Alvaro Morata, seul en pointe. Voici le 11 qui va débuter pour l'Italie. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Matteo Darmian avec Bastoni au centre de la défense. Nico Barella sera épaulé par Jorginho au milieu. Et pour finir donc, les trois éléments en attaque. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Ouais, superbe défense. Grimaldo. La balle pour Alvaro Morata. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Allons pour Di Lorenzo. Centre vers Chiesa. Et oui, c'est donné. L'ouverture du score. Quelques minutes de jeu. Et déjà, quelques frissons. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond du filet. Avec cette ouverture du score, le match se débloque. Grimaldo. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Oyarzabal. Bonne progression, ballon au pied. Mikel Merino avec le ballon. Et ce sera donc un corner.
Federico Di Marco. Et sur le côté, il y a du champ pour l'Italie. Il faut centrer là-dessus. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. La bonne frappe, la frappe est contrée, le ballon pour Barrella, encore une fois il se met en opposition, Barrella qui reçoit la balle, Barrella bien placé, le ballon heurte la barre transversale, sortante, admissible, quelle frappasse, franchement si c'est dedans on se déshabille. Pas d'erreur là-dessus, attention. Alvaro Morata. Réception de Pedri. Et l'Espagne avec le ballon pour tenter quelque chose. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Bonne percée, il faut aller provoquer. Ça joue avec Pedri. Et c'est pour Rodri. Pedri avec la balle. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Discussion en attaque là. Ça joue avec Pedri. Très bon timing. Interception. Donnarumma. Nicolò Barella. Pellegrini reçoit le ballon. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. Spontanéité, c'est bien, il faut aussi de l'efficacité. Il y a ça mal. Et il se défait à l'adversaire direct. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Lorenzo Pellegrini. C'est pour Chiesa. Hey, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Rodri. Le ballon pour Pedri. Ça joue avec Pedri. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire, mais le gardien est sur la trajectoire. Nicolò Barella. Ah non, ce ballon est perdu. Rien du soutien en attaque. Morata. La frappe de Morata. Ah, une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision, notre principal défaut. Pas facile pour l'entraîneur de garder son calme, l'occasion d'égaliser était énorme. Oui, le plus important dans le football, c'est de créer du déséquilibre pour pouvoir marquer des buts. Et on voit que les occasions, elles sont trop rares. Pour revenir dans ce match, il faut absolument se procurer plus d'opportunités.
ne profite pas à l'attaque. L'arbitre revient donc à la faute initiale. Le ballon change de pied. Frédéric Chiesa, il a du champ là dans le couloir. Et nous jouons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Pour Jorginho. Excellent le geste défensif là. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. La première période de Federico Chiesa, difficile évidemment de ne pas remarquer son excellent match. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. Le match reprend, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec donc l'Espagne qui est menée d'un but. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. De loin, et ce coup franc finit sa course dans les bras du gardien. Quand on regarde les statistiques, on voit énormément d'occasions et un gros manque d'efficacité. L'approche offensive est intéressante, mais il faut améliorer la finition pour alourdir un peu plus cette avance. C'est une bonne progression ça. Attention là, Federico Chiesa. Intervention du gardien. Et le changement va donc avoir lieu. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière la volée en pleine course, c'est un boulet de canon. Impossible à arrêter. Golas! Ah, le score de parité est donc un partout. Nicolò Barella. Et Pellegrini, il a bien provoqué la défense. Le ballon pour Federico Chiesa. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu.
Coupe du Monde en soutien. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement derrière le ballon est perdu. Le drapeau s'est levé, hors jeu. Voilà, le remplacement intervient. Alvaro Morata. Récupéré par l'Italie. Oh, il y a de l'espace, là, pour en profiter. Oh oui, but ! Et c'est le doublé ! Quelle classe ! Quelle réussite ! Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien. Match très tendu depuis le début. Et regardez, ce but a même réussi à décoincer un peu leur goal. C'est dire qu'il y avait de la tension des deux côtés. Federico Chiesa. À l'Italie. Une faute flagrante, mais pas de jaune là-dessus, en tout cas d'après l'arbitre. La faute ne lui a pas semblé mériter un avertissement formel. Une réprimande suffira sans doute. Avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Corner. Ah, dommage, parce que ça atterrit directement dans les pieds de la défense. Le Normand. La passe pour Rodri. Rodri. Merino. La balle pour Alvaro Morata. Ça joue maintenant dans un couloir. Oh, c'est un bon ballon, ça! Attention, ce n'est pas fini! Ouais, ça n'ira pas plus loin. Très bonne progression, balle au pied. Et il vient fixer dans l'axe. Et la belle parade, là! Pour stopper l'attaque. Attention à ne pas perdre le ballon dans cette zone du terrain. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Quel dommage, à mi-distance comme ça, c'est pourtant bien. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation.
Encore quelques minutes à jouer, ce petit but. Et c'est fragile, la tête doit rester froide, mais le cœur est chaud. Face à face avec le gardien. Attention, il y a danger là. Un tir en force, pépinazo, mais ça part loin du but. Là, c'était plus difficile de rater. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Oula, c'est pas la meilleure relance du monde, ça. Et ça joue sur Mikel Merino. Il y a une possibilité là pour centrer. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Mikel Merino. Et c'est fait, c'est au fond. Et c'est sans doute le but qui vient sceller la rencontre. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Allez, donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Pellegrini. Et il remporte son duel, bien défendu. Alvaro Morata. Victoire assez nette avec ses deux buts d'écart, le genre de victoire qui fait du bien à tout le monde. On a vu, c'est très simple, c'est une prestation phénoménale. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.